to the red tide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. Bon matin! Outfit du matin. Mon jeans le même qu'hier. Des petites bottes comme ça de chez Spring. Hein? Quoi? Ils sont belles mes bottes, merci. Une genre de camisole que j'avais acheté au Dynamite. Et mon gros cardigan comme ça, sûrement du Brandy Melville. Fait que là... Nounou. Bon, fait que vous voyez ma face. J'ai tellement bien dormi là. Mais on s'est couché quand même genre à 1h30 environ. Mais on s'est levé à... On avait mis le cadran à 8h30, mais on s'est levé à 9h. Mais je vous dis, là, c'est comme si j'avais dormi 12 heures. Là. On a quand même reçu un message en tout cas avec des photos. Ouais, des photos de Jaden qui était réveillé à 1h. À quelle heure? 1h45. Il veut juste pas dormir. Ouais, mais. Je pense que sa routine est toute mêlée, là. Ouais, ok, en tout cas. J'ai tellement bien dormi, mais c'est comme si j'avais dormi 12 heures, mais c'est juste parce que j'ai dormi collé sans me faire réveiller. Ouais, il est pas là de réveiller, mais je voulais juste. Ouais, ouais, je voulais juste être réveillée. Ouais. Oh, moi, je suis fatiguée. On va déjeuner. Fait que là, on déjeune, fait que ça a l'air de ça. Des petits pains, fait que je me suis mis une moitié de bagel. C'est-tu toi qui as remis deux fois tes trucs, Anthony? Ah, oh, c'était déjà ok. Fait que voilà. Ouh, c'est chaud. Une pince, je sais pas. Ah, oh, ok. Je vais pas prendre ça. Regardez comment c'est cool! Ouh! Voilà. Et que c'est ici? Des confitures maison. Fait que j'ai pris du bacon, deux tranches de fromage, un demi-bagel, fromage à la crème, puis une tranche de pain avec du crouton. Et regarde. Hein? Quoi? T'as pas pris de fromage? Ouais, en tout. Une suisse puis une longue. Un verre de jus de canneberge puis regardez le jus. Non, il est bon, il est super bon. Non, c'est ça. Mais ils font du sommelet, du jus pressé et puis d'autres choses. C'était bien bon. Bon, tout le monde, il est 10h05. Puis je les ai écrasés dans le lit. C'est tellement confortable le lit ici là. Mais chez nous aussi c'est vraiment confortable, mais c'est différent là. Ah, j'ai tellement bien dormi là, je vous dis. Puis là, c'est ça. Dans le fond, on a eu des départ à type à 1h, non, midi. On pouvait pas 1h parce qu'il y a quelqu'un qui a la chambre. Puis c'est ça, comme on est membre élite, ben on avait le droit gratuitement là. Fait que midi au lieu de 11h. Fait que c'est le fun quand même. Attendez, je vais regarder l'heure exacte qui est. Il est 10h10. Fait que là, on m'a dit qu'on resterait à la chambre jusqu'à 10h30. Écrasé dans le lit. Puis à 10h30, on va aller dans le spa jusqu'à peut-être 11h15. Après, on va revenir à la chambre, puis on va comme faire nos bagages, puis tout ça. Regardez la vue. Regardez. C'est beau. C'est trop bien. On reste ici. Bye bye, Estherelle. À quoi on s'en va? On a vraiment passé un beau 24 heures. Puis on est super bien là. Puis je suis tellement reposée là. Waouh, on est proche de l'auto. Je suis tellement reposée. Toi, Anthony, t'es-tu reposé? Ça fait vraiment du bien. En plus, dans ta semaine de relâche, ok. C'est fun. Bon, fait qu'on est arrêté à Saint-Sauveur parce qu'on a soif. Hein, son mental à pointe, c'est vrai. C'est tellement bizarre qu'il soit là-dedans. C'est pas ici que je travaille en passant, c'est à Saint-Sauveur.
Mais il y a un son de la pointe ici. Fait qu'on s'en va au Tim parce que on a su que je vais prendre si long encore là, le cappuccino glacé à l'érable. Je le trouve bon. Je trouve qu'il me fait penser à genre des trucs à boire du Starbucks. J'ai Tim! Oh, c'est un amour! Attends, je m'en allais, t'es pas pas le mettez pas Allô, bébé? Allô! Donc, tout le monde, là, il est rendu pas mal plus tard, là. Il est 1h49. Je pense qu'on est arrivé à midi et demi. Chetan est en train de jouer. Il vient de boire, puis il était. Ben, il a bu super bien mon lait, là, dans les biberons. Je suis vraiment contente. C'est peut-être le fait qu'il est aussi. Tu sais, il mange, là. Fait qu'il mange. Il déjeune, puis il soupe des céréales, puis là. Comme dans 2-3 jours, on va inclure les purées. On va commencer ça. Oups, excusez. Puis, que j'allais dire? Peut-être que ça aide aussi, mais là, il vient de boire du lait. Puis, il était vraiment content de boire à mon sein. C'est vraiment drôle, mais il préfère vraiment ça. Puis, je suis pas sûre comme... Parce que c'est moi, là. C'est vraiment... Il préfère ça. En tout cas, fait, quand je suis partie, j'avais fait un peu de bordel, là. Ouais. Fait que là, j'ai... tout ramassé, là, je vais passer à la balayeuse, puis Jaden, je vais rejoindre Muffin, il est drôle. Mais là, ah Jaden, tu touches à Muffin, mais oui. Mais là, Marco, il est là, là puis Anthony, ils vont tondre le gazon pour comme pour la dernière fois, genre, ben probablement la dernière fois. Ouais, fait que c'est ça, fait qu'ils s'en vont faire ça, là, puis la mère Anthony prend sa douche. On a un petit bébé qui fait dodo. Regardez-le. Il est là. Mais je vais m'asseoir à côté de lui. Fait que j'ai passé tout le palais, la meuble, puis moi, ça nettoyait le meuble ici, en dessous, au fond. On a enlevé son parc. Parce que, ben, il joue plus dans le parc, il aime mieux jouer à terre. Fait que, on a juste laissé le tapis d'éveil, puis j'ai mis comme ses jouets dans un bac. Comme ça, genre, il peut les enlever, puis tout ça. Il va reprendre l'air, les enlever, puis les remettre dans le bac. Fait que c'est ça. Là, ben, il y a plein de couvertes, mais il est là, là. Faut que je range les autres couvertes qu'on leur avait sorties. Bon, je commence à travailler sur ma vidéo de snack d'Halloween. Il dure 38 minutes. Genre, j'ai tourné pendant 38 minutes. Fait que je dois éditer ça. Je voulais que ce soit en ligne demain, mais je pense que ça va être en ligne après-demain. Parce que j'ai rien fait du montage, là. Même si j'ai fini de tourner dimanche, j'ai rien monté. Puis il faut que je tourne mon intro. Fait que je la tournerai demain. La compote de pommes maison. Regardez comment c'est vide le Costco, mon Dieu! Il est genre 6h30 là. Allô Marco? Allô. C'est le fun de garder Jaden? Ouais. Jaden est vraiment relax là. Il dormirait encore, mais là, il a fait une sieste de genre 4 heures. Il est tout mêlé. Regardez les nouveaux petits kits au Costco. Fait que là, je vais prendre lui. Lui. Je suis en train de faire une croustade aux pommes pour dessert. Fait que ça, c'est mon mélange. Puis ça, c'est mon mélange avec les pommes. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé c'est quoi ma recette de croustade, parce que ça fait comme 3 fois que je la fais, là. Mais dans le fond, je fais le crumble aux fraises de 3 fois par jour. C'est sur le site internet, puis à la place de mettre des fraises, je mets des pommes. C'est la même recette que j'utilise pour toutes mes croustades, qui est vraiment bonne. Sauf des fois, au lieu de mettre, mettons, du sirop d'érable, quand j'en avais pas, ben je mettais du miel, puis c'était bon pareil. Fait que, ouh! Ouais. Moi, j'aime bien ça de la croustade, puis tout le monde en veut. Bébé d'amour est encore fatigué. Oui, c'est tout le monde. Marco et sa maman l'ont épuisé. Oh, beau bébé. Je vais me reculer, laisse-moi dormir. Oh. Ça serait coupé. Non. Ça ne serait pas coupé. Ça va être coupé. Bébé d'amour. Il somnolait tantôt. Regardez-le. Oh, caca! Oh là, il est réveillé là, check, showtime! Showtime! Bébé! Il fallait juste qu'il voit la caméra pour se réveiller. Ah. Showtime! Il veut dire bonjour aux abonnés? Non, oh. Moi j'ai le fil.
Tu sais que m'avait arrangé la caméra qui avait reçu. Bébé, bébé! Bon, tout le monde, je me couche, mais je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté au Costco. Fait que, dans le fond, il me manquait de lingettes. Alors, on a racheté nos lingettes favorites. Et c'est ceux de chez Kirkland. Puis, ils ont reçu plein de petits kits cute là, pour enfants. Je capotais. Fait que c'est les kits du Carter's. C'est tout Carter's, ouais. Fait que, bon, je capote sur le carotté, là, comme vous savez. Il y avait lui. Lui était 9,99. Ouais, 9,99. J'ai tout pris dans le 12 mois. Parce que, ben là, il commence à porter du 12 mois, là. Donc, c'est ça. Fait que je trouvais ça trop cute, là. C'est comme une petite chemise. Mais c'est genre mou, là. C'est pas une chemise comme. Vous comprenez? Puis un petit capuchon. Puis celle-là, c'est une paire de pantalons comme bleu, là, tout simplement. Puis, c'est ça. Fait que celle-là, c'est le deux morceaux. Comme ça, je le trouve full beau. Lui, il ressemblait, là, comme la mère Anthony a dit, mais tu sais, dans le fond, c'est parce que c'est carotté, là. Et lui, à la place, c'est un tissu doux, comme vous pouvez voir. Fait que c'est une veste. Ce kit-là, il était 12. Il me semble. Je peux écrire. Il me semble que c'est 12. Puis, dans le fond, lui, il a aussi un cache-couche. Fait que c'est un cache-couche uni gris. Fait que ça, j'aime ça quand c'est uni. Puis, un genre de jeans. Mais comme faux jeans, vous comprenez? C'est full mou. Fait que ça va être vraiment confortable. Puis, ben c'est ça. J'aime ça de carotté. Puis, c'est tout chaud. Fait que c'est parfait. Et le dernier kit. Oh, je trouvais ça trop cute, sérieux, ça fait full automne-hiver, là. Mais premièrement, je trouvais ça vraiment beau, les pantalons. Tu sais, c'est comme juste un pantalon beige, là. Fait que c'est le fun parce que ça va pas mal avec tout. Puis, c'est comme un petit chandail, tu sais, avec des boutons, un petit capuchon, puis c'est full chaud. C'est vraiment cute. Puis, dans ceux à 12, celui-là, c'est 9,99. Fait que dans ceux à 12$, tu sais, qu'il y a trois morceaux. Il y avait d'autres kits trop cute, mais là, comme j'en ai pris trois, là, trois, c'est assez. Fait que voilà, bonne nuit tout le monde.